On va voir comment ça se passe. Ok, en plus, il a pris Pyramitra. Il a pris Pyramitra. Je suis désolé, One Brawl 6. Ouais, mais One Brawl, comme j'aime toujours le dire, il a un mental, ce mec, il aime pas se laisser aller, tu vois. Tous les jours, il va chercher à punir ce qu'il peut punir. Ouais, après, il va se prendre une connerie, il va faire « Oh putain, c'est nul ». Ouais. Mais bon. Il va rien lâcher. Surtout contre Pyramitra, il va pas pouvoir. Echo va pas laisser jouer, même si il est comme lui. Ah, ça y est, ça y est. Ah. Ok, Echo qui était pas tout à fait prêt. Ah, la pression. Okay. Oui, la pression. La pression. Oui. Non, non, c'est One Brawl. Il y a eu du hack. Ouh, la pression de jump. Pardon. Je comprends pas là ce qui est en train de se passer. Mais c'est stylé. C'est du DLC, tu vois. C'est stylé. C'est très stylé. Mais Stylé strap, ça okay. Commence bien. Ouh, là. Là, il attend au bon moment. Il a plus d'épée. L'énorme épée de Mitra, Pyra, pardon, le laisse atterrir tranquillement. Et. Ouais, Wembrook a toujours à trouver à sortir de l'Edge Trap de Echo, c'est un peu surprenant. T'as vu, il s'est. Non, il arrive à s'en sortir avec des neutralaires. Hop là. Pour Interi, c'est pas mal en plus, hein, parce que c'est galère. Hein. Et dernière. Aïe aïe aïe. Bon, c'est. Un peu de répit, ça fait plaisir. Ouais, par contre, ouais. Echo qui a su sentir l'air de devenir. Félicitations, bon, je vois lui. Et là, ouais, le neutral. En faveur de Mitra comme d'habitude, les strap. Oh, il va pas le laisser aller retourner en terrain, c'est un peu pour le choix, mais on s'en fout, on y retourne. Ouais. Bonne DI de Monbro pour être en B à la fin, c'est bien. Drôle de side B. Tu peux jouer. Ah ouais, non, il y a beaucoup de malveillance dans les mouvements d'Echo. Hein. Franchement, je sais pas si vous le sentez à travers. Il y a que de la malveillance, les copains. Yop. Ah bah, deux stock, hein. À part la drôle de première stock qui a été prise avec un 7B, ça allait. Ouais, les deux premières stocks des deux côtés, c'était un peu bizarre. Ouais. Hein? Ouais, c'était un peu bizarre, mais là, je pense que ça va pas spécialement s'améliorer pour One Brawl, je pense. Mais on va voir comment. Peut-être un changement de map, et je pense qu'on va, connaissant One Brawl, il va rester sur SBF. Ouais, il aime bien ça. C'est juste la musique. Tu vois, c'est juste la musique. Exactement ça, il veut son son tranquille. Mais il joue contre qui? Dandan? Il joue contre qui? Malran? Malran, Kingasman il s'appelle. Ok. Il sera connu, mais il est en top 8. D'accord. C'est un Terry, je crois. Encore? Ouais, je crois que c'est un Terry. C'est pas possible, il y a partout. Je te dis ça, j'ai vu de loin un petit peu, mais il me semble que ce soit un Terry. Il y a beaucoup là. Mais quelle heure là? Et on est reparti, même game. Même game, même endroit? Même lieu? Même perso, même heure? Après, oui, mais à ce qui paraît, je vois ce que Julien nous dit, après One Brawl l'aurait MP à l'instant. Ah, il a MP, d'accord, ouais. Donc. Est-ce qu'il voit du coaching? Est-ce que c'était du coaching qu'on te demande lui? Dis-nous tout. Bref, okay. Moi je reprends. C'est parti. En vrai, One Brawl, il a bien commencé la première game, donc je pense qu'il a toujours ses chances. Mais ouais, oh là là, Foresight. Non. Bon perso. Ah ouais. Mais les deux persos sont DLC, donc il n'y a pas d'injustice. Ouais, voilà, c'est ça. Hop là, bon dégâts. Ouais, là, Echo qui lâche pas Mitra. Ouais. One Brawl qui a pas gardé, qui pas resté en avant, donc ça permet de pas prendre le dernier. Jab, je me retourne, j'envoie, nickel. Ouais, tout... oh. Ouh. Ok. Ah, si ça tue, ça. Oh, même pas, ok. J'ai vu les éclairs, je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Ouais. DI, hein, peut-être. Hein. Bonne DI, et DI qui est lourd aussi. J'ai pas. Oh là là. Le mouvement de coaching. Oh mais, là là. Et d'accord, très bien. Donc, One Brawl qui est seul face à lui-même et face à Echo. Et qui se doit de prendre cette. Oh bon, bien trouvé, hein. Très bonne réaction sur la dash attack. C'est pas facile de réagir à ce move, donc bien joué. Il s'y attendait sans doute, non? Ouais. T'as bonne distance de la prendre, donc. Et là, ouais, toujours des avantages contre Pyra. Ça fait peur, ouais. Bien. Ouais, Echo, quand même, il joue Pyra. Oh là là. Ah. Dommage. Bonne réaction, hein. Bon réflexe de One Brawl de tech. Tac. Ouais. One Brawl qui garde la game très even, en vrai. Il veut pas se laisser faire, j'aime trop sa mentale, à ce mec-là. Trop de shitstone air, un peu hors dunk. Ah là. Ok, bon, on trappe. Ok. Ça se pack d'ici. Ah, dommage. Oh, on a tenté. Ouais, on a tenté.
Ouais, la... Ouf. Oh. Ouais, la pirate d'écho qui reste un petit peu trop longtemps à mon goût, je pense qu'il aurait pu se permettre... Oh, Baka, oh, la mix-up, la DI. Ah ouais, je reviens, je là, il l'a complètement... complètement mis à l'envers. Oh, ah ouais. Ah, non, le smash qui voulait pas être sorti, je pense. Ah ouais, ah ouais, ok. B, dans le sens, d'accord. C'est pas la pire situation pour One Brawl. Ouais. Ah mais c'était pour aller de l'autre sens carrément. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Il y a une soledge en fait, si je le trouve. Mais ouais, la One Brawl qui est un peu de retard, et malheureusement, Echo est lock sur Pyra, là, il veut absolument kill. Ouais, il veut faire ça rapidement. Ah, voilà, il fallait que tu le dises pour que ça change. Bien sûr. Et, alors, et voilà, qu'on le remarque pour que, voilà, tu vois. Hop, okay. Smash, ouais, finish, ouais, ouais, ouais. Classique. Ouais, ouais. Il en a bouffé beaucoup de ça, One Brawl, aujourd'hui. Hein. Oui. Sérieux, hein? Ne pas rester sur une plateforme. C'est son, peut-être son plat préféré, c'est ce qu'il a commandé, on sait pas. Dernier Smash, ouais, c'était une délicatesse. Exactement, moi, c'est fait avec beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup de feu, la feu de la passion, bien sûr. Exactement. Mais ouais, 2-0. Dommage, si Pingaman perd contre Balran, on ne l'aura pas vu du tout. Crêpe également. Bah, c'est la vie du... C'est la vie, hein. Écoute, je suis passé beaucoup en stream aujourd'hui, mais je commente, donc forcément, il faut une contribution. Exactement. Il paye pour ça, en fait. Il donne de sa personne pour aller en stream, notre cross. J'ai encore mes boissons gratuites. Bref. Echo qui prend Rob, parce qu'il s'est, je pense, sûrement assez à l'aise pour choix de perso. Même parce que Pierre Mitra était clairement complètement sûr pour gagner le set. Sachant que Echo a gagné son set contre Miss. Ouf. Trop juste avant avec Rob. Ok. Mais, ok. Mais ce sera peut-être pas le cas contre One Boy qui est une autre bête. Ça, pour le cas, c'est clair. Mmh. On va voir comment ça va se passer. C'est pas un match-up que je vois souvent, moi, Rob contre Terry. Bah. En top player, on en voit assez souvent sur tout ce qui va être Zomba et Riddles, mais. À mid level, on en voit pas souvent. Il n'y a pas beaucoup de bons Terry en France, donc forcément, c'est un peu difficile de le voir. Même des Rob, il n'y a pas beaucoup en France. Bah ouais. Non, pas beaucoup de bons Rob. C'est pas clair. Ah ouais, c'est compliqué de revenir. One Brawl qui a embrassé le côté du stage pour pas se le prendre. Deuxième. Mais non, mais mon ami. Faut commencer à oublier de sauter là. Les gars, arrêtez de commander votre kill préféré. Enfin. Ils ont chacun commandé un kill préféré. Ouais. Et une stock d'avance de la part de One Brawl, c'est très très bien pour lui. Mais le problème, c'est que Echo. Il est capable de revenir facilement, je pense. Ouais, enfin, Echo... facilement, peut-être pas, mais. Ouais, mais Rob fait beaucoup de dégâts rapidement, mais comme Terry, donc. C'est pas de bons persos pour rien. C'est clair, mais c'est bien si Terry reste sur le terrain, sur le stage, hein, parce que si on en sort avec Rob, c'est vraiment vraiment compliqué. Ouais, hein. Mais pour l'instant, One Brawl s'est réussi à sortir assez souvent. Ouais, il joue bien, il connaît. Ouais. On peut dire qu'il connaît le match-up, on a l'impression. Ouh, le génie. Echo qui a eu un très très bon réflexe de lever son shield pendant le combo pour pas se prendre. Il s'est un peu tâché de break, j'ai un peu peur pour lui. Ah, la pression. Ouais, ah ouais, ça va être compliqué. One Brawl ça va être compliqué. Qui se met bien. Est-ce qu'il va donner encore le plat? Le plat favori. Le plat favori, ouais. Non, je pense qu'il y a quoi, Arthur Michelson. Tu penses que. Ouais, je pense que c'est bon. C'est bon. Oula. Oula. Très bonne réaction. Et c'est là qu'en fait, il y a vraiment, vraiment, vraiment. On croirait, hein, mais ouais. Ça va être très, très compliqué de gagner pour. Et en plus, j'ai vu Echo réussir. Enfin, presque réussir un combo de Rob avec les e-drops. Donc, attention au comeback potentiel. Aïe. Oh, petit temps. Ah ouais. Aïe, 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 pour le smash. Ok, ok. Tac, tac. Oui. DI, ok, ça va. Il a voulu l'air dodge. Il a voulu l'air dodge. Ah ouais. Bonne parie sur Baker. Ouais, ouais. Ça tue n'aura pas, mais ouais, la prochaine conversion de One Brawl sera le kill, donc écoute, faire très attention. Ouh, la roue, elle était super risquée. Ah bonne SDI. Ok. Et okay. Là, ouais. Oh, pop, pop, ouf. Ah, c'était lui. Dan Smash un peu. il était pas prêt pour un multi de One Brawl. Oh là là, il va recommencer. Non. Ouais, la One Brawl qui est en. Yo, qui se fait remonter. Non. Est-ce qu'il va le faire? La tout-tueur. Non. Oh. Est-ce qu'il va le faire? Non. C'est n'importe quoi. Non. La Paris. Oh. Non. Il l'a vraiment fait. Il l'a vraiment. Eh non. One Brawl, vraiment. Il a envoyé tout ce qu'il pouvait envoyer. Ça de... ouais. Il a vraiment.